c'est un pastrami fumé à la weed, en gros, avec une sauce au CBD, des picos d'oignons rouges maison et du cheddar. Et l'autre, c'est un falafel maison, pareil, qui est fait au CBD. Il n'y a qu'une personne qui sait faire de la pastrawid, c'est moi. C'est moi qui sais faire de la pastrawid. La seule personne ici qui fasse une très très bonne pastrawid, c'est lui. Voilà. C'est lui là. Elle dit une... comme ça. Moi, bien sûr, je suis entièrement satisfait. À savoir que bah, c'est une opération que l'on mène avec Netflix. Et voilà, on a le soleil, on a la foule, on a des bons sandwichs. Je veux dire, entièrement satisfait. Je veux dire, on voit que l'opération fonctionne. Je ne sais pas si vous avez filmé la queue, mais voilà. Il y a 250 mètres de queue et on est content. On va faire les 1000 sandwichs dans la journée sans aucun problème. J'ai regardé la série aussi. Grand fan. Grand fan. Grand fan de la bûcherie Azan. Bien fait le tasting avec nous. Pas mal. C'est bon ? Ouais. Ah, c'est bon. Ouais. C'est le goût d'un sandwich normal avec un petit goût épicé, un petit goût de CBD. Mais on sent un peu la CBD. Hein. Je le sens un petit très peu. Très sympa. Ouais. C'est vraiment bon. C'est sympa. Ça a quelque chose. Franchement, c'est très très bon. Ouais, ouais. Très bon. La viande est très bonne. Ouais. Ouais.